de nouveau ensemble? Apparemment, potentiellement oui. Alors, est-ce qu'on y est ou est-ce qu'on n'y est pas? On est de retour apparemment. Bon. Comme je disais, je comprends pas. Le jeu a jamais de problème. C'était à cause de tous les téléchargements que j'avais en cours, mais ils n'étaient pas actifs normalement là pendant le... Je veux des réponses. Mais ai-je vraiment le choix maintenant? Je ne peux pas laisser les Trinitaires tuer ces gens. Ces lignes, je les ai franchies il y a bien longtemps. Et je ne peux pas faire demi-tour. Je dois les aider. Il ne fait aucun doute que le peuple de Jacob serait prêt à mourir pour lui, et lui pour eux. Ce genre de loyauté est rare. Elle est d'autant plus remarquable dans un endroit comme celui-ci, au bout du monde. Si je me bats à leur côté, peut-être que Jacob me fera suffisamment confiance pour me dire ce qui se passe réellement. On va se blinder hein, parce que en combat on pue. Du coup, on va essayer de moins puer en autre chose que combat. Ça exécute à tour de bras. Il va falloir être plus minutieux. Faites-moi un état des lieux. Tout est calme ici. L'équipe 4 est en train de fouiller les tunnels à l'arche. Déployez-vous et passez la zone de pleine fin. Tuez tout ce qui bouge encore. Mais servez-vous plutôt vos doudous. Faut qu'on économise les munitions.
tu tentes tout en furtif pour au final te faire repérer au dernier moment, c'est moche. Liquidez-les. Ne tirez pas. Nous allons. On peut pas passer. Alors. Déployez-vous et passez la zone au peine fin. Tuez tout ce qui bouge encore et servez-vous plutôt de vos couteaux. Faut qu'on économise les munitions. Ça vous dirait de vous bouger parce que on n'a pas toute la journée. Attention! On tue tout ce qui bouge. Allez. Oh là là, c'est pénible hein. Ce jeu a vraiment zéro feeling avec les armes, je trouve, c'est un truc de fou quoi. Peut-être juste moi qui suis mauvais hein, je conçois. Moi je trouve que j'ai zéro feeling avec les armes quoi. J'ai l'impression à chaque fois c'est une plaie de prendre n'importe quelle arme. Tranquillement et l'autre ça l'alerte. C'est de la merde, on peut pas viser correctement! Après, il me fait croire à tout le monde qu'il est devenu sniper d'élite quoi. Eh oh, attends! Ces enfoirés sont loin d'être cons. Ils ont peut-être posé des pièges. T'inquiète pas, je tire sur tout ce qui bouge. Bah vas-y doucement, ouvre l'œil.
que je plaisante pas. C'est bon, il a eu son compte. Si ça te met mal à l'aise, t'as qu'à regarder ailleurs, mon pote. J'aime cette méthode, je la reconnais. On n'obtient rien quand on manque gentiment. Détache-moi. Je vais tous les tuer jusqu'au dernier. Du calme, Sophia. Tu as vu cette boucherie? Comment on va se remettre de tout ça? Peut-être que votre peuple s'est déjà assez sacrifié. C'est notre devoir. Je me suis trompée sur toi. Dis-moi ce que je peux faire pour aider. Je dois emmener les autres en lieu sûr. Mais l'entrée des catacombes est obstruée. Je vais vous la dégager. Ça va aller, tu vas voir. Juste une seconde, je viens de voir que j'ai reçu un message du support de Steam, j'imagine, à propos de Batman Arkham, enfin de Gotham Knight. Alors, Steam support, vous avez un nouveau message, voir les messages. Bonjour, nous avons identifié un problème de votre jeu, nous travaillons actuellement à le résoudre. Merci de votre compréhension, Eve. Oui, bah ok. Donc en gros, je dois attendre, quoi. En gros, c'est ça là. C'est ça le truc qu'ils te disent, quoi. Attendez. Il y a un problème sur le jeu. Wait and see. Ok, ok. Ça va. Le truc, c'est que bah ouais, c'est. Aidez-nous à mettre les autres, bien sûr. Tu sais où je dois aller ? Je peux pas l'ouvrir d'ici. Elle doit être bloquée de l'autre côté. Respire doucement. Voilà. Creuse des trous avec un piolet. C'est la meilleure façon d'excaver des murs. Voilà. Je peux peut-être la débloquer d'ici. Les catacombes, on y sera en sécurité. Ah. Non, bah attends. Je comprends pas. Pile ce qu'il me faut. Ça devrait le faire. Oh. Comment ça s'adapte bien sur les flèches quand même? Flèche grenade. En forme de... Tout à fait. En fait, ce serait intéressant s'il n'y avait pas un peu ce côté je m'incruste et je vous emmerde. Éloignez-vous de la porte ! Si c'était quand même, des copains. Ah bah oui. T'as réussi à ouvrir la grille. Ils sont en sécurité dans les catacombes. Je sais que tu recherches la source divine. Mais mon peuple la protégera jusqu'à la mort. Ton peuple est déjà en train de mourir. Vous ne pourrez pas la protéger éternellement. On l'a bien fait jusqu'à maintenant. Mais du coup, c'est pas éternel. Je suis contente que tu sois notre allié. Ils convergent vers la tour. Certains sont encore là-bas. Emmène les autres en lieu sûr. Ils ont besoin de toi. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas lu des trucs. On dirait une sorte de carte. C'est con. J'arrive pas à la déchiffrer. C'est con, Lara, t'as pas étudié ton grec correctement parce que, en fait, depuis tout à l'heure, on skip tout ce qu'on peut skip.
Le but c'est de rush cette fin de jeu. La flore de la va. Niveau 2 en grec seulement. Ouais. Prends ton temps. Je concentre bien toute la tension de faire ça. Les morceaux de planche qui sont un par un. Quand je suis à l'arc, c'est comme s'il y avait un bonus. S'il y avait un bonus, te fais pas tuer quoi. Oula. Le bonus te fait pas toucher vient d'expirer. Ah, ça l'a pris. L'arc marche mieux que les vraies armes, j'ai envie de dire. Enfin, vraies armes. Les armes de type. Type mortel de base. Classique, tu vois. Baissez-vous! Ouais, ouais, quand je suis à l'arc, hein, j'ai un bonus, te fait pas toucher quoi. Nimpe, mais ça passe.
En fait, je me fais chier à jouer avec autre chose que l'arc, alors que l'arc c'est chité quoi. Oula. Oula, 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 oula. Ce risque, mais ils vont pas nous faire. Attention, on nous attaque! Ah,
Jacob, ils sont partis. Ce n'est que le début des hostilités. Vous pouvez m'en dire plus sur cet endroit ? Vous l'avez bien mérité. Venez avec moi. En des temps anciens, notre prophète a apporté la source divine dans cette vallée. Mes ancêtres ont bâti Kitej pour la protéger du monde extérieur. Mais dans quel but ? Allez, dites-moi ce qu'est la source divine, Jacob. C'est un artefact qui date d'une ère oubliée. Nous pensons qu'elle contient un fragment de l'âme de Dieu. On raconte que ceux qui ont regardé la source se sont vus accorder l'immortalité. Mais il existe une communauté qui l'a toujours convoitée. Les Trinitaires. Oui. Ils veulent répandre leur idéologie à travers le monde. Avec la source, leurs soldats deviendraient indestructibles. Alors il faut que vous m'aidiez à mettre la main dessus avant eux. Ce n'est pas votre fardeau. Bien sûr que si. Mon père a donné sa vie pour ça. Vous ne pourrez jamais combler le vide qui est en vous. Vous devez vous en libérer. J'arriverai à la trouver. Avec ou sans votre aide. Attends, Sophia, laisse-moi partir. Je dois finir ce que j'ai commencé. Tu as versé du sang pour nous. Je veux t'aider. Tu sais où se trouve l'Atlas ? À la cathédrale, dans les archives au sous-sol. Mais on ne viendra pas avec toi. Pourquoi ? Qu'est-ce que je vais y trouver ? Il y a une autre armée. Les Immortels. Ils tuent tous ceux qui représentent une menace. D'après mon père, ils arrêteront les Trinitaires. Je ne parierai pas là-dessus. Je sais. Tiens. Prends ça. Ça t'aidera à atteindre la cathédrale. Bon, désolé, je dois vous laisser. On s'arrête là pour ce stream et pour entre guillemets cet épisode. À plus.